Re, voilà, maintenant la coupure est faite. Je vais donc passer sur la page internet qui est Stellworksim. Et voilà, magie de XSplit. Les deux, en fait, je vais gérer la cabine de signalisation de Munich sur ce programme-là. Je ne sais pas si Coploperno, tu connais donc le simulateur que je vais présenter, donc ce qui s'appelle Stellworksim. Et je vais faire la gare principale de Munich. Donc je vais aller la rechercher. Donc je suis, il faut que je me logue. Donc, elle fout des trains. Voilà. Donc, nous revenons sur le simulateur. Et Stellwerk. Et alors maintenant, il faut que je retrouve Munich. Alors, je ne sais plus dans quel land il se trouve. Par contre. Je vais devoir un petit peu chercher. Je pense que je me demande si Munich, je l'ai déjà fait en fait. On va déjà limiter à Deutschland. C'est de München. Hauptbahnhof, Ostbahnhof. Alors, où est-il? Ça, c'est Hambourg. Non, ce n'est pas là ici. Où était... Je rafraîchis un petit peu cette page-là. Où était Munich encore? Alors ça c'est Koblenz, etc. Non. Alors je ne connais pas du tout ma géographie, hein. Je ne sais pas, je ne sais plus dans quel land se trouve ça ici, Münsterland. Ça a pas l'air bizarre, tu verras. Ça c'est Münster. Allez, hein, zut, hein, où est-ce qu'il est? Ici, en fait, c'est pour aller charger la gare. Donc voilà, je vais essayer de retrouver une... J'ai envie de retrouver ma gare. Zut, zut, zut. Ça c'est U-Bahn. Berlin-Wittenberg. Mais non, bah zut alors. Attendez. Oh merde. Je dois pas aller là. Mauvaise manipulation. Voilà. Je vais juste... Vous remettre 2 secondes sur le truc de pause, le temps que je cherche un petit peu. C'est München en allemand, ça je suis d'accord. Bavière. Bayern, donc c'est dans le Bayern. Ah, il n'y aurait pas. Ah, je pensais qu'il y avait tout en fait. Bon, ben, tant pis. Là, c'est Nord-Bayern.
Où est-ce qu'il est? J'ai envie de le retrouver. Sud Bayern. Bon, bah tant pis. Je vais pas chercher plus longtemps. Je vais faire une guerre. Je vais faire une guerre que je connais. Alors, tant pis. Bon, on va faire la guerre de Francfort. Allez. Elle est complète. Non, on n'est pas encore en pause. Je cherchais simplement quelque chose. Je vais remettre la page internet. Parce que je cherchais une guerre. Et je ne l'ai pas trouvée. Maintenant, à moins que... Non. Je vais quand même encore regarder 2 secondes. Voilà, en fait, Météor, j'essaie de trouver ma gare. J'essaie de trouver la gare que je veux faire. J'ai juste encore regardé un petit peu, ça tombe, je l'ai raté. Ou bien elle est en travaux ou quoi, ou qu'est-ce? Nürnberg, non, 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 non. Non, on va ici. Non, 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 non. Bon, je vais pas chercher plus longtemps, je vais vous embêter à chercher plus longtemps. Je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais faire Duisburg. Voilà. Bonne idée. Bonne gare que ça fait longtemps que j'ai fait. Wuppertal? Non, non. On va faire Duisburg. Duisburg est une belle grande gare. Et à faire. Je vais rechercher les détails. Donc, voilà la map et on va commencer à... Alors, on va faire 17h44. Et là, ici, c'est là que je vais devoir un peu chipoter avec XSplit pour configurer tout ça. Donc ici, le jeu est en train de commencer. Voilà, donc je la mets en route et alors là, une nouvelle fenêtre apparaît chez moi, mais pas encore chez vous. Donc je vais voir un petit peu là. Donc ici, vous aurez un écran noir, c'est logique. Il faut que je revienne, il faut que je fasse ça. Add screen capture. Et voilà. Et alors ici. Voilà, vous l'avez comme ça. Il faut que je mette tout en bas. Et il faut que je fasse. Ok. Et que j'écrase un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y veut pas? Je suis en train de... oui, c'est ça. Ça, je retire. Ah non, c'est ça que... Non, c'est bon.
Voilà, j'irai un petit peu l'image écrasée. Voilà, c'est bon. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Ça, c'est mieux. Et ça, c'est encore mieux. Voilà. Là, ici, vous aurez l'image nette. Et donc, voilà. Et donc, je passe en vue de nuit. Et voilà. Donc, le simulateur. Il est démarré et j'ai déjà des trains en retard du fait que j'ai dû chipoter avec XSplit. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu au Preda 62-219, donc c'est un simulateur de cabine de signalisation. Donc plusieurs trains arrivent à des points d'entrée, à des points de sortie. Il faut les mettre sur les bonnes voies, qui s'arrêtent aux bonnes gares, etc. Tout ça avec la gestion de l'horaire et que je commence déjà à foirer. Donc, nous avons le. Ici, le RB 2534 qui est arrêté au signal 225 et il va vers la voie 10. Signal 225 ici et il va vers la voie 10. Je le mets voie 10. Le RE 10129 263. Oui, et qui va la voie 12. Voie 12. Le NBW 2127 qui est au 200, au signal 208 qui est ici et qui va à la voie 8. Essen S-Bahn. Essen S-Bahn est ici. Alors j'ai oublié de faire, c'est mettre tous les signaux en automatique. En tout cas, les signaux automatiques en automatique. Donc là, comme ça, c'est fait. Abstel 2 m'appelle pour mettre un train à la voie 6. Abstel 2 est ici. Je vais l'autoriser. Ah non, c'est Reinhausen, pardon. Abstel 2, est-ce qu'il. Ah non. Voilà, Reinhausen. Voilà, va à la voie 1. Abstel 2 vient d'arriver, va à la voie 6. Voilà, donc attends, je vais un petit peu. Je vais cacher celui-là. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Et voilà. Un petit peu d'air au niveau de mes horaires. Donc voilà, ah, je vois que tu fais le modo, Meteor 75, c'est bien, parce que je sais pas gérer ça en même temps. Alors, nous avons ici 330 qui est là, qui est au signal 272. Il va à la voie 2. 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 Donc, tac. Il vient ici. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Ça fait longtemps que j'ai fait cette gare-ci, donc il faut. Pas de pitié avec les spams. D'accord. Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Je l'aurais vu après, hein, mais. Voilà, bon, pour l'instant, on n'a plus trop de trains qui sont arrêtés. Si le 11-72 qui va à la voie 8, et la voie 8 est occupée, mais la voie 8 va partir. La voie 8 doit partir vers Gleise W1. W1. Où est la voie W1? La voie W1. Ça a changé pas mal le truc. Voilà, ici, ouais, je pars un petit peu dans l'inconnu là, parce que ça fait longtemps, longtemps que. Je pensais plus que ça faisait si longtemps que j'avais fait cette gare-ci. Mais vous voyez que c'est un peu le bazar. Donc, 8 vers W1, W1, si, je l'ai vu. Voilà, il va en cul-de-sac. Bon, voie 12 vers Essen. 12, Essen, ça doit être là. Il faut partir. Faut oublier que les trains roulent à droite en Allemagne.
D'accord. Ça va. Je prendrai note. Alors, la voie 10 vers Oberhausen-D. Oberhausen-D, voilà, ici. Oui, c'est ça, je vois. Et il doit aller par où, du coup? Vers au centre, d'accord. Il va directement vers Rose et Sun, c'est bien. Donc ici, si je me trompe pas, parfait. Voilà. Voici Sverreinhausen. Reishausen, je le fais déjà partir. Voie 3 pour Robert Sunday. Voie 3. Düsseldorf, Flughafen, NH. Fern NH, tac. Où est-ce qu'il est? Ici. La voie 9. Voilà. Ensuite, ah lui il est arrêté quelque part. De Mannesmann vers Oberhausen-J. Ah, et il est arrêté et il passe par la voie 107. Oui, il s'arrête, mais il s'arrête à la voie 107. Mais il pourra aller ici. Voilà. Comme ça, petit marchandise qui passe par là. Reinhausen pour la voie 10. Reinhausen pour la voie 10. La voie 8, on doit aller vers W1, mais qui est déjà pris. Donc, la voie 8 attendra. Wharton, voilà. La voie 2, vers Düsseldorf, Flughafen, Fern. Voilà. Reinhausen pour voie 10, ça c'est bon. Essen. Bullheim et 5. Bullheim HBF ici. Donc ça c'est bon. Et prévoir à voie 5. Ça on va attendre qu'il arrive du côté d'Oberhausen. Pas faire trop vite, ça ne sert à rien. Oberhausen D pour la voie 3. Aussi. La voie 3 qui va bientôt partir. Donc. On va le mettre pour la voie 3. Alors, voie 8, il va attendre. W1. À 18h07. Ouf. Et la voie 8 doit aller quoi? 18h27, jusqu'on ne sait pas où. Ah. Voie 9 vers Essen S-Bahn.
Ah, il doit aller là. Tac. Le S-Ban est en mi avec en surbrillance orange. S3. Ah oui, il doit continuer comme ça. Lui, il doit continuer comme ça. Ouais, merci Metteur d'avoir suivi aussi, d'avoir fait un petit peu le gendarme aussi sur le chat. Ah, une fois, c'est pas non plus. Et voilà, au plaisir de te voir et par MP aussi pour les deux trois trucs que tu as à me dire. Une bonne soirée, une bonne fin de soirée à toi. À plus. De toute façon, pour les autres, je pense que dans ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Je vais arrêter. J'arrêterai ce stream. Pas la faire trop longue sur cette map-ci que je ne connais pas. Et puis je commence un petit peu à fatiguer, je vous l'avoue. Donc, je pense. Je vais encore faire une demi-heure. À 11h30, j'arrêterai. Comme ça, on aura vu un petit peu. Bon, qu'est-ce que je vais faire de ce train en voie 8? Parce que là. Le W1 ne partira pas avant 7 minutes. Ben, il attendra 7 minutes. Bon, il est déjà en retard, mais il attendra. Je ne sais faire que ça. 10, 227. Non, il doit aller voie 8. Ben, on le mettra voie 9. On va le changer de voie. On va le changer de voie. Toujours pas parti, voie 3? Ben, si, ah, il doit aller vers Buchholz. Je l'ai arrêté, je l'ai. Voilà. Voie 10 vers Oberhausen D. Oberhausen D, voilà. Sur Train Simulator, je pense qu'il y avait une bonne ligne qui allait jusqu'à Düsseldorf. Faudrait que je la retrouve, elle était bien. Elle était bien. Ah, je me demande si c'est pas c'était pas des lignes payantes. Genre, comment ça s'appelait? Protrain, voilà, c'est ça. Un des protrains, je pense, que j'avais acheté à l'époque. Alors, Oberhausen E. Il y en a des Oberhausen. DG. La glace 107, il peut partir en fait. J'ai oublié celui-là. Oberhausen E. Oberhausen D. Cent dix vingt-trois voie 3. Ah, si. Vais te le mettre voie 2. Voilà, c'est le bazar, c'est un petit peu le bazar. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Lui l'attend. Oberhausen, c'est où ça? Et si? Ah oui, là, il a signé automatique, donc c'est bien. Il n'y a rien qui va faire Robertson. Il vient de son NAH. Et il va voie 10. Voie 10. La voie 9 doit partir vers Essen. Voilà qui est fait. Voie extérieure.
Robert Sunday pour la voix 3, encore une fois. Alors, il est à Glace West, un peu devant Glace West. Ah oui, d'accord. Bon, il va aller derrière lui. Image que SNS ban, c'est ça. Par contre, comment le faire partir? Dans le bleu, ah, ici. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, et si j'ai un S3 SNS band 261, c'est ça. Ah, il devait aller vers Oberhausen. Voilà, je me suis trompé avec celui-là. Bon, ben. Tu, comment je vais faire celui-là? Bon, ben. Je vais mettre vers Abstel. Je me suis trompé avec lui. Voilà. Désolé. Ouais, je commence à bien fatiguer, moi, quand même. Écoutez, je pense que je vais remettre cette gare à plus tard, quand je l'aurai un petit peu plus maîtrisée. Parce que là, je vous montre des choses qui sont pas gérables. Puis je commence à fatiguer pas mal, donc je vais écourter ce Twitch. Au final, j'aurais pas fait une heure de. Je n'aurais pas fait une heure de Steelworks Sim. Désolé pour ceux qui voulaient me suivre. Mais je vous dis déjà un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant ces 2 ou 3 heures à faire du TS 2015, à faire du Open Rail pour montrer la ligne envers Bruxelles. Ou pour vous donner un petit bout de Steelworks Sim. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour d'autres streams avec la PSFI, avec moi, avec Sprague ou avec aussi Sharp qui avait la fois passée avait montré un petit peu pour la création d'une ligne qui montre un petit peu ce qu'il faisait du côté de la gare de l'Est. Et donc merci de nous suivre, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube. La chaîne YouTube où les rediffusions sont mises les heures ou les jours qui suivent la diffusion du stream. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt, une très bonne fin de soirée et à ciao. Allez, salut.